Bonjour les enfants, j'espère qu'aujourd'hui, hier vous avez bien fêté les rameaux. Alors voilà que aujourd'hui, Jésus arrive avec toute sa petite troupe à Jérusalem. Vous vous rappelez? Il fallait qu'il entre dans Jérusalem. Alors, il a passé la porte et il est allé. Il a passé la porte et il est allé dans le temple. Quand il arrive au temple, il arrive devant ça. Il faut monter les marches. Il monte les marches. Il entre dans le temple. Il y a plusieurs cours dans le temple. Et dans la première cour, voilà ce qu'il découvre. Il découvre des gens en train de vendre, des changeurs, des gens qui vendent des choses pour qu'on puisse offrir des sacrifices au Seigneur. Alors, Jésus se dit, la maison de mon Père, qui devrait être une maison de prière, est en train de devenir une maison de marchandises, un hall pour se vendre et faire des échanges. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Jésus sent monter en lui une sainte colère, une colère qui veut mettre la justice de Dieu en place. Il prend un bâton à celui qui gardait les moutons. Et il se met à renverser les comptoirs. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Il casse tout, il renverse tout, les oiseaux peuvent s'envoler. Mais c'est n'importe quoi ce qu'elle fait. Mais il faut bien qu'on fasse notre commerce. Non, 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 pas dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père, c'est une maison de prière. Chassez tout cela, enlevez tout cela, ça ne m'est pas possible. Comment tu oses faire une telle chose dans le temple de Dieu? Oui, le temple de Dieu est une maison de prière. Détruisez ce temple et moi, en 3 jours, je le relèverai. Le troisième jour, je le relèverai. Ah, cette maison de prière, mon Père, venez les amis. Rentrons à Béthanie. Jésus allait chaque soir à Béthanie. Il laisse les gens tout perplexes. Mais c'est pas possible. Il faut vraiment se débarrasser de ce Jésus. Il perturbe nos habitudes. Jésus arrive à Béthanie avec ses amis. Béthanie, c'est une demi-heure de marche. C'est une grande côte qui monte, qui traverse le jardin des Oliviers, et quand on arrive à Béthanie, on voit de là-haut la ville de Jérusalem. Jésus aimait bien aller chez Marthe, Lazare et Marie, ses amis. Vous vous rappelez? Lazare qui l'a ressuscité. Il se met à table. C'est Simon. Simon, Simon. C'est Simon qui les a invités ce soir-là. On prépare le repas. Tout le monde vient s'installer. Toi, tes ânes, ils sont rangés. Il y a Marthe, Marie, Lazare. Jésus prête son copain Lazare. Allez, mets-toi près, Lazare. Marthe, hop. Là, c'est pas pratique, hein, d'être assis quand on a une robe, une cape. Marie, elle aime bien être pas loin. Marthe, elle est aussi en train de servir. Et tout le monde s'installe. Allez. Sont tous à table. Et tout à coup, pendant le repas, les Romains, ils surveillent toujours, hein, mais c'est plutôt à Jérusalem qu'ils surveillent. Tout d'un coup, pendant le repas, Marie se lève, disparaît, elle va dans sa maison. Et quand elle revient, elle porte un vase de parfum. Du parfum très très cher, très très précieux. Et dans ce genre de vase, en fait, on casse le vase, on a tout le parfum, mais on ne peut pas en garder un peu. C'est tout ou rien.
c'est-à-dire des vases en terre. Et Marie s'approche de Jésus, c'était 6 jours avant la Pâque. Elle casse le parfum, le vase, et elle verse sur les pieds la tête de Jésus, et le parfum embaume toute la maison. Et Marie, qu'est-ce qu'elle fait avec ses cheveux? Elle essuie les pieds de Jésus. Elle est à genoux et en fait, par ce geste, elle veut dire merci. Jésus a ressuscité son frère. Elle a pris ce qu'il y avait de plus précieux pour dire merci à Jésus. Et puis là, il y en a qui disent, mais enfin, Judas par exemple. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est stupide, on aurait dû vendre ce parfum et avec l'argent, on aurait pu en donner aux pauvres. Jean, il dit, tu sais, Judas, toi tu dis ça, mais en fait, l'argent, ça va pas toujours aux pauvres. En fait, Judas, quelquefois, il prenait un peu d'argent. C'était lui qui était responsable de la bourse, des 12 apôtres et de Jésus, mais quelquefois, il était trop attiré par l'argent. Et Jésus dit, laisse-la, ne la tracassez pas. Pourquoi vous tracassez cette femme? Ce qu'elle a fait, c'est très important. C'est en vue de mon ensevelissement. Quand je serai mort, eh bien, on ne pourra pas me verser tout ce parfum. Elle l'a fait en avance. Et partout où on racontera l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu qui vient chez les hommes, on racontera ce qu'elle vient de faire. Merci Marie. Dieu te bénisse. Et Marie retourne à sa place. Et le repas continue avec une bonne odeur. À la fin du repas, Jésus fait comme tous les soirs. Tous les soirs, il aimait aller, parce qu'il fait bon, il ne fait pas froid dans son pays, sous les arbres, sous les oliviers du jardin des Oliviers. C'est juste à mi-chemin entre Béthanie et Jérusalem. Et donc, Jésus qui dit à ses amis, allons au jardin des Oliviers. Merci beaucoup Simon pour ce bon repas. Et pour savoir ce qui se passe le lendemain, on se donne rendez-vous demain. Au revoir les enfants!